بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتضى علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, avec un nouvel épisode qui nous amène aujourd'hui dans la partie 4 de la bataille d'Al-Khandaq. Depuis maintenant quelques semaines, nous sommes en train d'étudier, de voir cette partie-là de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une bataille qui n'est pas facile, qui n'est pas simple. On va le voir tout à l'heure dans l'épisode. Une bataille dont Salama, on l'avait déjà dit au dernier épisode, a dit « J'ai assisté à plusieurs batailles, j'ai assisté à plusieurs événements. » Et bien sûr, comme toujours, le chat, dès que... En fait, je me pose toujours la question, comment il vient à chaque fois? Mais en fait, c'est parce que tout simplement, je pense qu'il entend ma voix qui porte un peu plus qu'en temps normal. Peut-être qu'il pense que je l'appelle et il arrive à chaque fois que je commence le cours de Sira avec vous. On avait dit que Salama, radiallahu anha, notre mère, l'épouse de Nabi, alayhi salatu salam, nous a dit qu'elle a assisté à plusieurs batailles et c'est la bataille la plus difficile auquel elle a pu assister. Et les compagnons, je comptais le dire tout à l'heure, mais je peux le dire dès à présent, les compagnons eux-mêmes, beaucoup d'entre eux nous ont dit que cette bataille-là, et notamment une des nuits, ça a été la nuit la plus difficile qu'ils ont eue à vivre de l'ensemble, de toute leur vie qu'ils ont passé aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est une bataille qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, parce que il en allait de la survie tout simplement des musulmans. Voilà pourquoi il a fallu vite et en toute vitesse construire cette tranchée qu'on avait un peu évoquée la dernière fois. Cette tranchée, pardon, on va essayer de le garder ici, cette tranchée de manière à assurer vite la protection des musulmans, parce que tout simplement ils n'avaient pas le temps de faire face à cette arrivée massive de 10 000 hommes qui vont venir pour les assassiner, pour s'en prendre aux femmes, aux enfants, mais aussi aux hommes et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Désolé, il est en train de tout faire tomber tout autour. Et nous nous sommes donc laissés avec cela. Lorsque nous nous sommes laissés avec cela, la semaine dernière, nous avons parlé de Az-Zubayr. Az-Zubayr ibn al-Awwam, qui, le prophète alayhi salam, avait demandé qui peut aller dans le camp des Banu Qurayza et se renseigner auprès de eux de manière à être un espion pour savoir quelles sont leurs intentions. Ont-ils l'intention de trahir ou pas le prophète alayhi salatu salam? Et Zubayr ibn al-Awwam avait dit, moi je veux, ya Rasulallah, je peux y aller, je peux prendre cette mission. Et le prophète avait dit alors cette célèbre phrase concernant Az-Zubayr, en disant de Zubayr, chaque prophète a un disciple et le sien, le mien, il dit Nabi alayhi salam, c'est Az-Zubayr, Az-Zubayr ibn al-Awwam. Lorsque Zubayr va se rendre chez les Banu Qurayza, il va se rendre compte qu'en effet, ils ont l'intention de trahir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment? Il va observer plusieurs choses. Tout d'abord, il voit que les stocks alimentaires de tout le monde, le garde-manger de chacune et chacun, est mis ensemble dans un seul endroit. Il se rend compte qu'on est en train d'évacuer les choses les moins essentielles. On est en train d'évacuer les routes, on est en train d'évacuer les chemins qui sont à l'intérieur des forts des Banu Qurayza. Il se rend compte également qu'il y a une préparation, ce qu'on peut appeler aujourd'hui peut-être des exercices militaires. Ils sont en train de s'entraîner. Il voit également que les forteresses sont en train d'être renforcées. On arrange peut-être tel problème, telle fragilité qu'il y avait ici ou là. Et l'ensemble de ces éléments vont faire penser à Az-Zubayr ibn al-Awwam que tout simplement, eh bien, les Banu Qurayza ont l'intention de trahir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, de trahir le pacte qu'ils ont signé fut un temps avec le prophète lorsque ce dernier alayhi salam les a inclus dans la constitution de Médine et les a considérés à part entière comme étant des citoyennes et des citoyens de l'état médinois. Lorsque Zubayr vient voir le prophète alayhi salam pour lui annoncer les résultats de son enquête, le prophète, bien sûr, il croit dans les mots de Zubayr, mais il a besoin d'avoir le cœur net, puisque là, il s'agit
d'une haute trahison et les sanctions, les conséquences sont lourdes et donc il ne faut pas prendre cela à la légère. Il va envoyer quatre compagnons qui vont être chargés. Parmi eux, vous avez Sa'd ibn Ubada, Sa'd ibn Mu'ad et vous avez deux autres compagnons qui sont chargés à ce moment-là de partir vérifier l'information. Et c'était des gens qui avaient de très bonnes relations avec les Banu Qurayza du temps de la Jahiliya, avant qu'ils ne se convertissent à l'islam. Lorsque les quatre compagnons, j'ai noté le nom des deux autres normalement quelque part, comme ça au moins je vous les donne pour ne pas les oublier. Ils sont ici. Abdullah ibn Rawaha et Khawat ibn Jubayr également qui vont être avec eux. Lorsqu'ils se rendent auprès des Banu Qurayza pour se renseigner et pour comprendre leur intention, ils vont se rendre compte que Zubayr a raison. Ils ont l'intention de trahir le prophète alayhi salam. Comment? Tout d'abord parce qu'ils vont être très hautains, très présomptueux. Ils vont avoir une grande confiance en eux-mêmes. Ils vont dénigrer les quatre compagnons. Ils ne vont pas les considérer comme étant des envoyés, des conseillers spéciaux ou des gens proches du chef d'État qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, pour avoir le cœur net, vont donc leur poser la question: quelle est votre intention vis-à-vis de cette bataille qui est en train de s'annoncer, de ce siège? Il y a 10 000 personnes de l'autre côté de la tranchée. Quelles sont vos intentions? Est-ce que vous avez l'intention de trahir ou pas le pacte que vous avez signé avec le prophète? Et c'est lorsqu'ils vont se rendre compte comment ils vont s'en rendre compte qu'ils ont l'intention de trahir, c'est parce que tout simplement, ils vont nier l'existence même d'un pacte. Ils vont dire, on n'a jamais signé de pacte avec Mohammed. Bien sûr, ils ne disent pas avec le prophète. Ils disent, on n'a jamais signé de pacte avec lui. Et donc là, ils ont le cœur net, ils ont vraiment l'intention de trahir. Sa'd ibn Ubadah va s'énerver. Vraiment, il va énormément s'énerver. Il n'est pas violent, bien sûr, mais les mots l'emportent. Il va être très rude, très dur dans ses mots, dans ses paroles vis-à-vis de eux. Mais les autres compagnons vont lui demander de se calmer en lui disant, laisse-les, yani, Allah Ta'ala va s'occuper de eux. Ici, on parle bien, ce n'est pas, et on l'avait déjà dit la dernière fois, il ne s'agit pas ici d'une haine vis-à-vis des Banu Qurayza parce qu'ils seraient israélites ou parce qu'ils ne seraient pas musulmans. C'est comment on pourrait le dire, une peine déjà, ils le vivent vraiment comme une trahison, une partie de la communauté, de la nation, une partie de ce peuple qu'ils forment ensemble, les citoyens de Médine, les Ahlul Médine, les gens de Médine, ont l'intention de trahir et de ne pas respecter leur engagement. Et donc là, la haine, elle est plutôt dans ce sens-là. Quel qu'il soit, ils auraient été des musulmans qui veulent trahir l'engagement, c'est pareil, ils auraient été des hypocrites qui veulent trahir l'engagement, c'est pareil. En l'occurrence, il s'est avéré ici que c'est une communauté israélite, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient israélites, que Sa'd ibn Ubadah va leur parler de cette manière-là et va être dur dans ses propos. Il le fait parce qu'il vit mal la situation, on va nous trahir. Et c'est une situation qui est très tendue. Il y a, souvenez-vous, il faut toujours tout remettre dans le contexte, il y a 10 000 personnes de plusieurs groupes, dont les Ratafans, dont d'autres Quraysh notamment, les gens de Khaïbal, qui sont tous de l'autre côté de la tranchée. Ils n'ont pas eu le temps de manger. Souvenez-vous l'histoire qu'on avait dit avec Jabir ibn Abdillah et Suhaïm qui vont inviter le prophète alayhi salam et les compagnons. C'est donc quelque chose qui est rude et tendu. Voilà pourquoi Sa'd ibn Ubadah perd ses moyens et va s'emporter. Mais les compagnons lui demandent de se calmer et puis ils s'en vont. Et c'est là où on voit, on a dit, c'est notre tradition maintenant, depuis le début de l'ensemble de ces épisodes, tirer des enseignements et des moralités. Les compagnons. On dit, dans tous les cas, nous, on a fait notre cause, on a fait As-Sabab, on a fait l'ensemble de choses qui étaient en notre pouvoir, entre nos mains, et maintenant, c'est Allah Ta'ala qui va décider. Il retourne voir le prophète, alayhi salatu salam, pour l'informer de la situation et lui dire tout simplement qu'est-ce qui s'est passé. Sauf que Nabi, alayhi salam, dans sa sagesse, et parce qu'il est bon et il est magnifique, et même dans une situation aussi grave et aussi tendue, il pense au moral de ses compagnonnes et de ses compagnons. Et il a donc demandé aux quatre conseillers spéciaux qu'il a envoyés, ne me dites pas devant les gens ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il en ressort de la situation, mais dites-le en privé ou discrètement. Lorsqu'il revient de voir Nabi alayhi salam, il le voit, il est entouré de plusieurs sahaba qui sont tout autour de lui. Et lorsqu'ils vont l'embrasser pour le saluer, eh bien, l'un d'entre eux va lui donner, entre guillemets, un code,
C'est pas le prophète alayhi salam qui demande ce code-là, mais tout simplement, c'est ce que ce compagnon a pensé à ce moment-là. Il va lui dire Addal wal-Qarrah. Et Addal wal-Qarrah, si vous vous rappelez bien, on avait évoqué ces deux tribus-là parmi tant d'autres lorsqu'on avait évoqué les événements de Bir al-Ma'ouna et de Al-Raja'i, qui étaient, on avait intitulé cet épisode, les massacres contre les musulmans. C'était quelque chose de difficile où ils ont assassiné des dizaines de musulmans, 70 compagnons ont été assassinés, lynchés injustement, de façon totalement oppressante, juste parce qu'ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et là, les compagnons ont pensé dire le nom de ces deux tribus qui ont trahi, comme pour faire comprendre à Nabi alayhi salam, il s'agit d'une trahison. Les Banu Qurayza seront les nouveaux Addal, seront les nouveaux Al-Qarrah, ils seront ceux qui vont trahir le pacte. Et là, le prophète alayhi salam l'a également compris directement lorsqu'ils ont dit ces mots-là. Et il ne va rien laisser paraître, parce que bien sûr, tout le monde est autour et tout le monde veut observer. Ils savent que ces quatre émissaires qui sont partis chercher l'information. Mais ils ne savent pas que le prophète ne veut pas que l'information se sache publiquement. Et donc, ils attendent d'avoir tout simplement les informations. Et Nabi alayhi salam va se lever avec le sourire, avec la détermination. Il va faire le takbir en disant Allahu Akbar, en étant souriant, et il va déclarer, c'est une bonne nouvelle. Il le voit comme une bonne nouvelle. Et là, on voit que c'est pour remonter le moral, c'est ça? Remonter le moral aux compagnons et aux compagnons, aux sahaba qui sont tout autour. Parce que déjà la situation est tendue. Si en plus de ça, le prophète alayhi salam dit on a un ennemi de l'intérieur, des centaines de personnes ou des milliers de personnes qui sont des ennemis de l'intérieur vont eux aussi s'en prendre à nous, eh bien le moral va être au plus bas. La situation ne peut être que tendue. Et Nabi alayhi salam, c'est pas ce qu'il recherche, c'est pas ce qu'il souhaite à ce moment-là. Et c'est vrai que la situation est tendue. Les compagnons et les compagnons ne savent pas comment ils vont gérer ça parce que le bruit court, les gens commencent à comprendre, les Banu Qurayza ne se cachent pas qu'ils ont l'intention de trahir le prophète alayhi salam, même si lui, Nabi alayhi salam, n'a pas voulu répondre cette information-là, eh bien les autres, ils ont voulu donner un coup au moral au prophète et aux musulmans. Et donc, ils vont répandre cette rumeur qui n'est pas en fait une rumeur, elle est réelle de leur côté. Elle est sincère, elle est forte de leur côté. Nous voulons trahir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux disent, nous voulons trahir Muhammad alayhi salatu salam. Et à ce moment-là, c'est là où les compagnons, ce que je disais en préambule tout à l'heure, les compagnons diront, ça a été la pire nuit de notre vie. La nuit la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y avait peu de compagnons en situation d'être armés, en situation de pouvoir défendre le pays, de défendre les civils, de défendre les libertés individuelles. Il y a 10 000 personnes qui sont derrière la tranchée et qui à tout moment peuvent trouver un moyen de traverser cette tranchée-là et de venir les assassiner et commettre un génocide sur les musulmans. En plus de ça, il y a ces centaines, pour ne pas dire ces milliers, de membres des Banu Qurayza qui maintenant déclarent ouvertement nous sommes du côté de l'Ahzab, des coalisés. Et tout ça, c'est en plus, il faut rajouter les munafiqoun, les hypocrites, avec, souvenez-vous, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, à leur tête, Ibn Saloul, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui lui aussi va lever ses troupes et vont dire au prophète, alayhi salam, on abandonne le poste de surveillance autour de la tranchée, parce que maintenant la situation, elle fait que nous devons rentrer auprès de nos familles. Bien sûr, ils ne disent pas on t'abandonne, puisque c'est l'objet même des munafiqoun, on a eu l'occasion de le dire, ils ne disent pas on n'est pas musulmans. Ils font croire qu'ils font partie de la Ummah, ils font croire qu'ils sont des Sahaba, or ils ne le sont pas. Donc ils ne peuvent pas dire on t'abandonne à ton sort, ô Muhammad, et on s'en va. Mais ils vont prétexter, Ya Rasulallah, la situation est difficile, il n'y a personne pour surveiller les enfants en bon macho qu'ils peuvent être, il n'y a personne qui peut surveiller par exemple les femmes. Etc. Et à ce moment-là, il nous faut absolument que l'on part. Mais ne t'inquiète pas, ya Rasulallah, nous, on va les protéger, nous, on va faire, nous, on va faire. Et Nabi alayhi salam les laisse tout simplement partir. Il sait qu'il s'agit ici des munafiqoun et que leur présence ne va en rien changer la donne.
Nabi alayhi salam a confiance en Allah azzawajal. Il prend les actions, il prend les mesures, il fait les causes, les sababs, et ensuite il place sa confiance en Allah ta'ala. Et Allah ta'ala nous parle de ce moment-là, de cette nuit-là, dans le Coran, dans les versets 10 et 11 de Surat al-Ahzab. Allah ta'ala dit, dans ce qui peut ressembler à la traduction, « Quand ils vous verrent d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions, les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. » C'est vraiment quelque chose qui a été terrible, parce que les compagnons ont eu très peur. Lorsque Allah Ta'ala évoque ici des suppositions qu'ils ont faites, bien sûr, personne n'a désespéré. Allah Ta'ala nous dit bien dans le Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu, la taqnatu min rahmatillah » Ô vous les croyants, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et les compagnons et les compagnons, les ashab salaf, as-salaf salih, ils étaient celles et ceux, et ils sont à jamais celles et ceux, qui ont le plus eu confiance en Allah Ta'ala et les plus à même d'être des croyantes et des croyants par rapport à nous. Ils n'ont pas désespéré, mais ils ont eu très peur. En se disant tout simplement, nous appartenons à Allah Ta'ala et il fait de nous ce qu'il désire. Et Allah Ta'ala peut nous éprouver par les choses les plus difficiles. La mort de l'ensemble de nos familles, la mort du prophète, alayhi salam, la mort des compagnons ou des compagnons, les tortures. Donc, ils ont commencé à avoir tous ces doutes-là, toutes ces inquiétudes-là, qui se sont réveillées à eux. Et c'est ce que Allah Ta'ala ici évoque dans les versets 10 et 11 de Surat Al-Ahzab. Une nuit qui était très difficile et très compliquée pour les compagnons. C'est dans cette nuit-là également que certains compagnons vont se détacher du lot, et notamment Ali ibn Abi Talib, ce grand compagnon que l'on connaît, et peut-être une histoire que vous avez déjà entendu parler. Ali ibn Abi Talib, lors de cette nuit-là et des nuits qui ont suivi, il y a eu quelques petites incursions de la part des Ahzab, des coalisés, pour passer par la tranchée. Et à un moment donné, il y a un qui s'appelle Amr, mais ce n'est pas Amr ibn al-As, c'est Amr ibn Abdul-Wud, qui était connu pour être un grand militaire et un grand guerrier du côté des Ahzab, qui va essayer de passer. Il réussit à traverser et il interpelle les musulmans en disant « Qui veut venir maintenant pour m'affronter ?» Et Ali ibn Abi Talib a voulu aller l'affronter. Il avait à peu près la vingtaine d'années à ce moment-là. Et en bon jeune résistant qu'il est, qui veut défendre les opprimés, qui veut défendre les personnes victimes d'injustice, qui veut défendre la liberté de croire, qui veut défendre même la liberté de croire ou de ne pas croire en Allah Azza wa Jal, puisque au sein de Médine, il n'y a pas que des musulmans, il y a des communautés juives, il y a des chercheurs de vérité qui ne se déclarent pas musulmans, mais plutôt monothéistes. Il y a peut-être des gens de passage qui ont d'autres religions. Et donc Ali ibn Abi Talib, en bon défenseur des libertés qu'il est, et en bon compagnon bien sûr qu'il est, du haut de ses vingtaines d'années, il veut se lever. Le prophète alayhi salam lui demande de rester assis, mais Ali va insister une deuxième fois et une troisième fois, jusqu'à ce que, à chaque fois, le prophète lui disait, il s'agit de Amr ibn Abdul-Wud qui est en face, donc c'est pas n'importe quel guerrier, il est beaucoup plus aguerri que Ali. En tout cas, le prophète le voit de cette manière-là parce que il est plus âgé, il a fait beaucoup plus de combats et il a cette rage, cette haine des musulmans que Ali n'a pas. Il n'a pas de rage et de haine contre les non-musulmans. Ali, comme aucun compagnon, n'est en train de se dire « je veux tuer ». Ils ne sont pas dans cet état d'esprit-là. Ils sont dans un état d'esprit qui est défensif. Nous voulons nous protéger, nous voulons nous défendre. À côté, lorsque vous avez quelqu'un qui est sanguinaire, qui ne veut que le meurtre, qui ne veut que le génocide, qui ne veut que la destruction, eh bien, c'est quelque chose qui est compliqué parce que quand quelqu'un veut tuer, eh bien, même si on est avec plein de bonne volonté et qu'on aimerait avoir la paix, malheureusement, quand la personne en face, elle est sanguinaire, eh bien, on peut rien faire si ce n'est tout simplement l'arrêter, le stopper pour l'empêcher de commettre ce qu'il souhaite. Et Ali ibn Abi Talib va donc insister auprès du prophète alayhi salam pour le laisser en disant, même s'il s'agit de Amr, quand bien même c'est Amr, je vais y aller, je veux y aller. Et Ali va faire preuve donc de ce courage-là et il va maîtriser cette personne-là qui finalement c'est elle qui aura peur de Ali
avec, avec le courage légendaire que l'on reconnaît et que l'on connaît à Ali. D'autres personnes ont réussi comme ça à traverser, et il y a eu quelques, je crois il y a un terme spécifique, esca, quelque chose comme ça. Ils se sont échangés quelques coups d'épée à ce moment-là, mais il n'y a pas eu de grande guerre frontale entre les compagnons. Tout le long, lors de cette nuit-là qui était la nuit la plus difficile, mais aussi lors des autres soirs, des autres nuits, il y a eu quelques petits échanges de coups d'épée, quelques blessures ou quelques morts, mais très peu par rapport à ce que ça aurait pu être. Jusqu'à ce que l'un des soirs, Allah Ta'ala va faire cesser ce siège qui a duré un mois entier durant lequel le prophète alayhi salatu salam faisait la prière de tahajjud dans une grotte qui existe toujours maintenant. Je ne sais pas si elle est toujours accessible pour la voir, qui s'appelle la grotte de Bani Haram à Al-Madina Al-Munawwara, et qui est située à peu près, parce que la tranchée n'était pas en plein milieu du centre-ville médinois. Elle se trouve à peu près à 20 minutes de la mosquée du prophète à pied. C'est pas très loin, 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes peut-être pour ceux qui marchent le plus rapidement, ou un peu plus pour celles et ceux qui prendront leur temps, qui prennent leur temps. Mais à peu près, voilà, dans ces eaux-là. Et jusqu'au moment où un soir, Allah Ta'ala a fait arrêter ce siège qui a duré pendant un mois et qui a été difficile pour les Sahaba. Et on verra la semaine prochaine, normalement, la dernière partie de la bataille d'Al-Khandaq, si tout va bien, Inch'Allah, comment le siège a pris fin et comment les musulmans gagneront cette bataille-là, qui n'est pas en soi une bataille. On parle de bataille, la bataille d'Al-Khandaq, ce n'est pas une guerre réelle, puisque, encore une fois, il n'y a pas eu d'échange vraiment à grande échelle entre les deux armées, mais quelques incursions comme ça qui ont été maîtrisées d'un côté, ou alors Al-Ahzab qui ont réussi à rentrer et tuer quelques musulmans et vite ressortir et vite s'en aller. Et on verra, bi'idhnillah, la semaine prochaine, comment Allah Ta'ala mettra fin à ce siège-là. Voilà, un petit épisode, hein. À chaque fois, cette année, j'ai essayé de faire des tout petits épisodes en espérant que ça vous plaise et que vous attendiez pas forcément à beaucoup. Parfois, c'est possible qu'on déborde un peu plus, comme la semaine prochaine, probablement pour terminer sur la bataille d'Al-Khandaq et passer à la suite sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah, subhanakallahumma wa bihamdik.